Bonsoir. Moi, salut le nom du papa qui gagne tout pouvoir, qui crée ciel la terre. Il est toujours par ses anges l'ordre pour veiller sur nous, pour protéger notre toute activité, non rien. Dans le contexte en politique, là, je viens faire nous garder ce qui a passé actuellement là en Israël et Palestine. C'est-à-dire, je ne pas faire tellement gros commentaires, mais m'a fait nous suivre l'événement ça. Il est 19h à Paris, 20h à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ramallah, à Gaza City, où pour la première fois en 10 jours, la journée s'achève sans que résonnent les sirènes d'alarme, devenues le signe ici de frappe imminente de l'aviation israélienne, là de la chute des roquettes palestiniennes. Depuis 2h du matin, heure locale, le cessez-le-feu est entré en vigueur. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Ce cessez-le-feu, Gwendoline de Bono, qui est avec nous en direct de Gaza, eh bien, il tire à l'heure où nous parlons. Oui, absolument, ce cessez-le-feu, il tient, et la manifestation la plus visible de cela, eh bien, ce sont tous ces Gazaouis qui ressortent dans les rues. Quand vous marchez dans Gaza ce soir, eh bien, les rues sont pleines. Vous voyez des familles, vous voyez des jeunes qui vont se baigner au bord de mer, des familles qui font la fête, qui se retrouvent autour d'un restaurant. Les gens disent qu'enfin ils peuvent souffler. Beaucoup de Gazaouis sont restés enfermés chez eux durant tout le temps de cette opération militaire. Ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup d'habitants qui convergeaient vers une rue du centre-ville, la rue Warda, qui a été en partie détruite. Hein, là-bas, vous avez plusieurs immeubles qui ont été pulvérisés. Vous avez des gravats qui font bien la taille de collines. Alors, on a vu aussi les habitants dans cette rue venus eh bien, présenter leurs condoléances, les saluer, les endeuillés, les rescapés sous ces tentes de condoléances. Nous avons parlé tout à l'heure à un père de famille qui a perdu sa femme et trois de ses enfants dans cette rue Warda, qui a été sévèrement ciblée par l'armée israélienne. Lui d'ailleurs dit qu'il n'y a jamais eu eh bien, d'avertissement, qu'il n'a pas eu le temps de quitter sa maison. Il y avait vraiment beaucoup d'habitants dans cette rue tout à l'heure, il y en a encore ce soir. Et c'est aussi cette rue qu'ont choisi eh bien, les combattants des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, pour s'exprimer, pour se montrer aujourd'hui dans une rare démonstration publique. Ils l'ont fait eh bien, sous les yeux de beaucoup d'habitants qui étaient présents dans cette rue. Un de ces porte-parole est monté à une tribune. C'est encore une fois quelque chose d'extrêmement rare dans Gaza. Ils le font parce qu'il y a un cessez-le-feu, parce que c'est possible. Et ce porte-parole est eh bien devant plusieurs dizaines de combattants armés. Eh bien, à afficher les gains politiques du groupe, parce que le groupe estime avoir gagné. Et on sent, eh bien, on a senti tout à l'heure dans le discours eh bien, de ce porte-parole du Hamas dans cette rue, que le groupe avait encore le doigt sur la gâchette. Ils l'ont dit, si les Israéliens, je cite, commettent une erreur, eh bien, nous avons encore de quoi les surprendre. Et un autre passage de ce discours qui a été très applaudi ici à Gaza, eh bien, cela concerne Jérusalem. Une fois de plus, le Hamas s'est exprimé sur les familles de Sheikh Jarrah qui sont menacées d'expulsion au profit de colons juifs, sur Jérusalem, sur Al-Aqsa. Le groupe se pose en défenseur de Jérusalem. Ils l'ont refait ce soir alors que les habitants peuvent sortir, peuvent les entendre. Un discours qui était bien évidemment à destination de la population qui n'est pas très optimiste sur le fait que ce cessez-le-feu tienne, notamment parce qu'il y a eu des affrontements tout à l'heure à Al-Aqsa, à Jérusalem, sur cette esplanade des mosquées. Et les habitants de Gaza, ils font très attention parce qu'ils savent eh bien, que le Hamas pourra de nouveau attaquer et que ce cessez-le-feu pourrait s'effondrer si eh bien, des événements se passent à Jérusalem. Et on va s'y rendre dans un instant pour retrouver Galaga Fadwick. Mais Gwendoline, ce cessez-le-feu, il est donc perçu comme une victoire par les Gazaouis, à la fois les dirigeants du Hamas, mais même la rue de Gaza. Oui, absolument. Alors, évidemment, il y a les habitants qui ont été qui ont été victimes de ces frappes, hein, qui ont perdu des personnes, donc il y a la peine et la souffrance. Bien évidemment, ces gens ne parlent pas de victoire, ils sont encore choqués. D'ailleurs, il n'y a pas de manifestation de colère, il n'y a pas de cris, il y a beaucoup de silence, hein, quand vous parlez évidemment à ces rescapés, à ces endeuillés. Mais c'est vrai que pour une autre partie de la population gazaoui, ils perçoivent eh bien ces jours d'opération militaire israélienne comme une défaite pour Israël et comme une victoire pour le Hamas. Et quand vous leur posez la question de savoir pourquoi, eh bien, ils vous disent
Gaza, les gens fêtaient ce cessez-le-feu et, à leur sens, la victoire du Hamas. Reste, Gwendoline, les stigmates de 10 jours de bombardement sur cette enclave palestinienne qui abrite, il faut le rappeler, plus de 2 millions d'habitants, qui ont fait l'une des zones les plus densément peuplées au monde, sous blocus depuis bientôt 15 ans. Dans quel état se trouve Gaza au sortir de ce nouveau conflit? Alors, ce qu'on a vu en tout cas tout à l'heure, ce sont des frappes extrêmement violentes, en tout cas les restes de frappes extrêmement violentes dans des endroits extrêmement localisés. Je vous parlais de cette rue Warda. Quand vous marchez dans la rue, vous longez des débris qui font des gravats qui font la taille de collines. Toute la rue quasiment a été détruite. Et par exemple, si vous marchez dans une rue d'à côté, vous n'avez rien. Donc il y a vraiment des buildings entiers, des rues entières qui ont été totalement détruites. Et d'autres endroits qui n'ont quasiment pas été touchés. Alors ce que vous disent les habitants qui ont la mémoire de la précédente offensive, l'offensive de 2014, c'était l'opération Bordure Protectrice, c'est bien, c'est que cette fois ça a été moins vaste, les frappes ont été moins vastes. En revanche, tous les habitants vous disent qu'ils n'ont jamais vécu des frappes israéliennes d'une telle intensité. Tous les habitants vous décrivent leur immeuble qui tremble et ça, ils sont très clairs là-dessus. Ils vous disent qu'en 2014, ce n'était pas aussi fort, ce n'était pas d'une telle intensité. C'est la raison aussi pour laquelle eh bien, ils ne sont quasiment pas sortis de chez eux. Je parlais tout à l'heure à une famille qui disait que c'était la première fois hein, depuis 11 jours eh bien, qu'elle ressortait dans les rues parce que cette fois, eh bien, l'opération israélienne, les frappes israéliennes ont été extrêmement violentes, localisées, mais très violentes dans la bande de Gaza. Merci Gwendoline de Bonneau avec nous en direct de la bande de Gaza. Et vous venez de l'entendre, rappel, le cessez-le-feu est-il entré en vigueur, que les tensions ont repris à Jérusalem-Est où de nouveau ont éclaté sur l'esplanade des mosquées. Sur place dans la ville sainte, on trouve Gallagher Fenwick. Gallagher, les affrontements ont débuté après la grande prière musulmane du vendredi hein, entre fidèles palestiniens et policiers israéliens. Absolument, ces fidèles palestiniens avec lesquels j'ai pu m'entretenir alors qu'ils quittaient l'esplanade des mosquées après avoir prié à Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Vous savez que c'est l'un des lieux qui cristallise les passions, qui est véritablement le cœur émotionnel de ce conflit israélo-palestinien. Et donc les scènes qui s'y sont déroulées ce vendredi après-midi en disent long de la fragilité de ce cessez-le-feu, puisque ce que l'on a vu ces 11 derniers jours, c'est que les événements sont connectés, ils interagissent et peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Les yeux de Gaza sont en effet rivés sur leur situation, mais également celle de leurs co-religionnaires ou de leurs voisins, cousins, ou amis palestiniens ici à Jérusalem. Et donc un événement comme celui qui s'est déroulé cet après-midi est de nature potentiellement eh bien, à fragiliser l'accord et à refaire basculer la situation dans la violence. Ce qu'on a vu, ce sont des policiers israéliens tirant des gaz, des canettes de gaz lacrymogène et faisant usage de moyens de dispersion non létaux à l'endroit de Palestiniens lançant des pierres dans leur direction juste après la prière, des Palestiniens qui brandissaient parfois des drapeaux du Hamas et qui criaient victoire suite aux événements de ces derniers jours et à ce cessez-le-feu qui a pris effet, comme vous l'avez dit, à partir de 2h du matin en heure locale, heure et horaire à partir duquel, ici où je me trouve à Jérusalem-Est, dans le quartier de Sheikh Jarrah, où la fête, les klaxons, les sifflets, les pétards ont retenti jusque tard dans la nuit pour célébrer ce que beaucoup de Palestiniens et de Palestiniennes considèrent être une victoire, voire des victoires sur plusieurs fronts. Tout comme le Hamas à Gaza, tout comme les Palestiniens de Jérusalem-Est, Israël revendique également un succès exceptionnel, hein, ce sont les termes côté israélien. C'est perçu comme tel aussi par la rue israélienne, Gallagher. Oui, avec parfois des réactions un petit peu mitigées. Je suis allé tout à l'heure à Jérusalem-Ouest, dans le chouk de Mahane Yehuda, c'est le marché où les fidèles juifs font leurs emplettes avant le Shabbat. C'était extrêmement couru et ça a la réputation d'être fréquenté plutôt par des partisans du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les Likoudniks comme on les appelle. Et là-bas, on m'expliquait que c'est une victoire militaire puisque le Hamas a pris, comme me l'a dit l'un des Israéliens avec lesquels je me suis entretenu, une claque, mais pas forcément une victoire stratégique puisque
l'objectif ultime, l'élimination totale du Hamas, de son appareil militaire, politique et de son arsenal n'est absolument pas atteint. Et ça, là-dessus, personne à Jérusalem-Ouest ne se fait d'illusions. Donc les réactions sont un petit peu mitigées, même si le deux camps crie, vous avez raison de le dire, effectivement victoire. Mais il y a toujours ces arrière-pensées qui font que, eh bien, on craint que tout cela ne soit que temporaire avant qu'on ne rebascule dans un nouveau cycle de violence. Merci Gallagher Fenwick, avec nous en direct de Jérusalem. On se rendra dans un instant à Washington et au Caire, les deux capitales où c'est en partie scellé ce cessez-le-feu. Mais d'abord, avec nous, l'ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, général Dominique Trinquant, bonjour. Qui, d'après vous, peut être le plus satisfait ce soir de ce cessez-le-feu? Ben, je dirais que les deux parties ont leur victoire. L'armée israélienne a une victoire tactique parce qu'elle a réussi à détruire un grand nombre d'objectifs. Elle prétend qu'elle a détruit tous les objectifs qu'elle avait identifiés depuis 2014. Donc ça, c'est sa victoire tactique. Par ailleurs, elle a montré l'efficacité du dôme d'acier. Ça, c'est sa deuxième victoire tactique. En revanche, le Hamas peut clairement revendiquer une victoire stratégique, parce que ça n'est pas seulement Gaza, mais il a réussi à démontrer qu'il défendait à la fois Jérusalem, la Palestine en entier, et donc le Hamas est un grand vainqueur stratégique dans ce combat. Il a montré qu'il avait été capable de se monter un arsenal dont il est probablement arrivé au bout. Et ce cessez-le-feu arrive parce que d'un côté, les Israéliens ont détruit les objectifs qu'ils voulaient détruire, et d'autre part parce que le Hamas a consommé une grande partie de ses roquettes. Et je pense que vraiment stratégiquement, c'est le Hamas qui a gagné. Il est maintenant le leader palestinien et il ne défend pas seulement Gaza, mais également la Palestine en son entier, et plus spécifiquement, bien sûr, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. On a parlé, général Trinquant, de ces 4300 roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Vous dites aujourd'hui une grande partie a été utilisée, en tout cas dans les capacités du Hamas, mais il y a aussi ce qu'on a appelé le métro de Gaza, c'est-à-dire ces tunnels souterrains. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure les capacités du Hamas ont été amoindries? Oui, les Israéliens connaissent ce fameux métro de Gaza et ont ciblé un certain nombre d'impacts. Il faut savoir que ce métro de Gaza, il sert bien sûr à cacher les munitions, mais cacher les combattants également, voire à servir d'un réseau de communication. Et surtout, les Israéliens le savent bien, il serait utilisé en cas d'invasion terrestre de Gaza. Et ça serait absolument mortel pour l'armée israélienne. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de nœuds de ce métro qui ont été neutralisés, comme l'ont été des bâtiments stratégiques que Israël avait identifiés. Quels sont les enseignements pour Israël? Alors, je pense que les enseignements, le premier enseignement, mais sera-t-il traité? Je ne le sais pas sur le plan stratégique. C'est que maintenant, le Hamas va défendre la Palestine entièrement, y compris les Arabes israéliens, dont on a vu que certains s'étaient soulevés, ont manifesté dans les villes, et puis ce qui se passait à Jérusalem. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'après les accords d'Abraham, les accords, je le rappelle, entre Israël et un certain nombre de pays arabes, on ne parlait plus de Gaza, on ne parlait plus de la Palestine. On a l'impression que ça n'intéressait plus personne. Eh bien, le Hamas a réussi à remettre sur l'agenda mondial cette question palestinienne. Donc je pense que ça, c'est vraiment la victoire aujourd'hui du Hamas. Merci, général Dominique Trinquant, avec nous en direct. Merci. Dès hier, le président américain Joe Biden saluait ce cessez-le-feu en s'attribuant notamment à une partie, effectivement, de la responsabilité de cette trêve. Écoutez-le. Je viens de parler avec le Premier ministre Netanyahou. Plutôt dans la journée, j'ai parlé avec le président égyptien Al-Sisi. Le Premier ministre Netanyahou m'a informé qu'Israël avait donné son accord à un cessez-le-feu mutuel et sans condition. Les Égyptiens nous ont informé que le Hamas et les autres groupes à Gaza ont aussi donné leur accord. Dans ma conversation avec Netanyahou, je l'ai félicité de sa décision de mettre fin aux hostilités en cours en moins de 11 jours. J'ai aussi insisté sur ce que j'ai dit pendant ce conflit. Les États-Unis soutiennent totalement le droit d'Israël
à se défendre contre les attaques de roquettes du Hamas et des autres groupes terroristes basés à Gaza qui ont pris la vie de citoyens innocents en Israël. Et direction tout de suite Washington, on trouve sur place notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, quel rôle exact ont joué les États-Unis dans ce cessez-le-feu? Eh bien d'abord, Joe Biden a tout simplement joué le rôle dont il a hérité, c'est-à-dire le rôle d'un président américain dans le conflit israélo-palestinien. Malgré l'expérience de Joe Biden, sa connaissance du dossier depuis 4 décennies, la marge de manœuvre d'un président est aussi étroite que celle de ses prédécesseurs démocrates. Je précise démocrate, bien entendu, puisque la présidence Trump, on le sait, a marqué une véritable rupture, et d'ailleurs y compris avec celle de ses prédécesseurs républicains traditionnels. Joe Biden, ici aux États-Unis, ne peut donc pas incarner autre chose qu'un soutien fidèle à Israël, on vient de l'entendre, ce qui ne signifie d'ailleurs pas un soutien à Benjamin Netanyahou. Forcément, la Maison-Blanche n'a pas fait mystère du froid entre les deux hommes et de l'hostilité de Joe Biden à la politique droitière du Premier ministre israélien, mais néanmoins, Joe Biden reste le président des États-Unis, c'est-à-dire le premier allié d'Israël et surtout le premier bailleur de fonds. Sans le financement du département du Trésor américain, sans la coopération avec les agences de renseignement dont les sièges sont ici à Washington, sans le dialogue avec le Pentagone, Israël serait globalement sans défense. Ce qui signifie concrètement que Joe Biden aurait pu imposer sa politique à Benjamin Netanyahou, ce qu'il n'a pas fait, en tout cas pas en surface. En coulisses, en revanche, nous savons que la Maison-Blanche s'est opposée à une opération terrestre qui aurait plongé la crise dans la durée tout en la faisant atteindre un niveau de violence largement supérieur à celui qu'on a déjà observé. Mais concrètement, Joe Biden s'est contenté d'un service